Et salut tout le monde, c'est l'ami Hunter, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Deus Ex Mankind Divided. Et dans cette petite vidéo, je vais essayer d'expérimenter quelque chose que j'avais fait à l'époque. C'est-à-dire que j'ai tenté il y a quelques temps de voir est-ce que Adam Jensen est capable d'être surhumain, hein, parce que normalement il est surhumain ce mec, il a des augmentations partout. J'ai pensé à une stratégie. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être la faire partager parce qu'il y a peut-être des gens qui vont trouver que ça peut être utile. Et donc, ma stratégie, c'est très simple. Il y a beaucoup d'objets dans le jeu. Il y a vraiment beaucoup d'objets. Je me rappelle que dans le Crysis, quand tu prends un objet et que tu le jettes, généralement, ça fait très mal. Ça fait extrêmement mal. Et donc là, je me suis dit, mais attends, on est Adam Jensen, quoi. On est vraiment Adam Jensen. Et donc, est-ce que je peux augmenter la force de mon personnage, tu vois? Le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, je peux soulever des objets lourds. Je peux soulever des objets très lourds. Alors ça, c'est la capacité de transport, donc ça, on s'en BLK, hein, un peu. Mais tu vois, mon mec, il a déjà un bras bodybuilder. Il a un bras de bodybuilder, tu vois. Tu vois, dans la vidéo et tout, là, tout gros bras tout musclé. Donc j'ai déjà les capacités maximales parce que je suis au début du jeu. Avant d'avoir le truc. Et donc, je me suis dit, mais attends, on est tranquille. Ce mec-là. Qui est heureux en train de dormir. Qu'est-ce qui se passe si jamais je le lance? Et c'est là que je me suis dit, mais attends, j'ai un vrai pouvoir. Parce que j'envoie Valdinguer, mais ultra loin. Alors celui-ci, celui-ci, il est là. Je peux l'envoyer Valdinguer maintenant vachement loin, tu vois, sur la table et tout. Il se réveille pas. Il se réveille pas. Faut dire ils ont du mal à se réveiller vu qu'ils se font trimballer à droite à gauche. Mais il y a vraiment moyen. Il y a vraiment moyen de faire plein de trucs, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, attends, attends. Vu que je peux jeter des trucs comme ça, mais je vais tenter. Je vais tenter ma stratégie. Ce qui fait que j'ai essayé. Et regarde ce que ça donne. Les mecs sont tranquilles en train de parler et tout. Ils vivent leur vie. Et là, t'as les mecs qui font. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors Le mec, c'est tranquille, tu vois. Il fait sa vie. Et donc, j'ai regardé, tu fais pas de dégâts quand tu jettes les cadavres. Et ça, c'est très drôle. Mais c'est la technique. C'est le mec. C'est le mec qui jette le truc. Il jette le truc, mais comme un forcené, tu vois. Et les mecs. Ils en ont rien à foutre, ils en ont vraiment rien à foutre. Alors toi, cet objet-là, c'est marqué, je t'aime, c'est quand même une cigogne. C'est quand même un truc, enfin, quand je le jette, tu vois, il don't give a shit, le mec. Il clairement don't give a shit. Donc ce qu'on va faire, il y a un mec au-dessus et tout qui va descendre, il va faire le malin, tu vois. On va tenter de faire le mec bien, tu vois, on va se planquer et tout. Et là, le mec, voilà! Et je trouve ça tellement énorme parce que le mec il la prend en pleine gueule, mais il se passe rien, il se passe vraiment rien, et ça c'est tellement drôle, c'est tellement drôle, et je trouve ça tellement épique, tu vois, que je peux jeter. Les mecs ils ont dit hey, qu'est-ce qui se passe, c'est ça, cadavre. Wouh! Ah, je vais prendre les balles. Mais c'est tellement drôle parce que
Les mecs, ils en ont rien à foutre, tu vois. Tu jettes un cadavre sur le gars, il en a strictement rien à branler. Ils en ont rien à foutre, c'est tellement drôle. Je vais leur jeter une cigogne. Prenez ça, bande de maloutres. Et je trouve ça tellement drôle que... Mais en fait, ça fait pas de dégâts. Tu peux pas tuer un mec en lui chiant les objets. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'était. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est ce qui manque au jeu à l'heure actuelle. Attends. On va essayer de faire un truc. Quand je l'ai comme ça, est-ce que mon cadavre. Non, il est pas plus haut. On va essayer de se le faire. Bon, d'abord, jeter le mec vers là. Ça, je peux déplacer plus vite. Oh, ça, c'est une flash. Donc là, mon objectif, c'est. Aucune idée de ce qu'il y attend. Il a clairement aucune idée. Et donc Et c'est le truc que je voulais faire partager. J'ai bien aimé la main de mon petit. La main d'Adam du genre. Je veux te lancer. Je veux te lancer. Je trouve ça tellement drôle. Parce que. Il y a clairement quelque chose à faire là-dessus, tu vois. Attends, on va se le faire. Encore une fois. On va le jeter sur le mec au-dessus. Parce que le mec au-dessus, il mérite. Tu vois, il mérite. Il sait pas trop. Tu vois, il dit. Hey, attends, il dit. Je l'ai entendu là. Non, mon cadavre. Enfin, mon presque cadavre. Viens avec moi. Mais c'est pas possible, putain, c'est pas possible. What the fuck? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'il est, mon ami? Viens par là. Viens récupérer ton dû. Putain, mais il est parti où? Alors, où est-ce qu'il est parti, le coquin? Ah, wouh! Ah, c'est tellement drôle! J'imagine bien le mec en train de se dire « Et plus jamais tu me lances, quelqu'un. Je lance pas mon pote. On va réessayer une dernière fois, quand même. » Et j'ai passé facile une demi-heure à faire ça. J'arrive tranquille. Hein? Une cégoïne volante. Attends, et si je jette ça par exemple pour voir? Allez, prends-le. On y va. Le mec, là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Wouh! Attends, on va le prendre lui. Je trouve ça trop drôle parce que le mec il est en mode. Hein? Mais qui jette un mec comme ça? Oh non, il m'a vu. Salaud! Philippe! Les mecs sont tous en mode. What? C'est une nouvelle strat, tu vois. C'est clairement une nouvelle strat. Et donc le truc, c'est épique parce que tu vois... Je vais prendre le putain d'injecteur parce que je risque de mourir. Le truc, c'est énorme parce que bah, les mecs, ils en ont... Ça pète pas, cette merde? Oh. Et ça pète. C'est quoi cette grenade? C'est fumigène. Et pour terminer, mon jeu préféré ici, c'est le basket. Donc tu choisis la fenêtre, et là, il faut timer, hein, il faut bien timer. Parce que tu vois, des fois, touche le panier. Il a touché le panier, le méchant. Je peux même prendre le civil.
Et donc toi, tu peux essayer de dunker. Oh merde. Tu peux essayer de Ah, trop drôle. Eh, oh non, il a pas clippé. Oh non. Oh non. 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 Ne fais pas ça. Je te laisse là. Il est bloqué. J'arrive pas à le jeter. J'arrive pas à le jeter, j'arrive vraiment pas à le jeter. Attends. Toi par exemple. Oh merde, on peut pas faire de saut et tout pour. C'est dommage, hein. C'est bien dommage. Mais attends, je vais essayer d'en rebloquer un. Comme... Oh putain, mais. J'étais persuadé. Allez, tu peux le faire. Tu peux. Ah oh, putain, mais arrête de me faire dépenser toutes mes balles, enculé. Je vais prendre mon pistolet. Et c'est tellement drôle d'arriver à. Un jeu qui a rien à voir avec ça, de s'amuser à faire du basketball. Ah, je vais essayer de lui faire, je vais essayer de le faire taper dans un coin. Oh, je le sens bien. Oh non! Putain, on n'était pas loin. On n'était pas loin. Hey, t'approche pas de mon pote. Il est à moi. Il est clairement à moi. Oui! Donc voilà, c'était la petite vidéo du jeu. J'arrive pas à y jouer normalement. J'arrive clairement pas à y jouer normalement. Et je me suis dit qu'il fallait que je partage ce moment-là. Il fallait que je partage ce moment-là parce que c'est vraiment le truc qui m'a fait. J'ai passé une demi-heure à faire ça, quoi. J'ai vraiment passé une demi-heure à faire ça. Et c'est comme ça que je m'amuse. Je m'amuse comme un gros débile profond, tu vois. Alors le truc à faire, tu vois, c'est qu'il y a plein de, il y a plein de glitch. Attends, je vais essayer de. Merde. Je vais essayer de faire un autre mec bugué. Je vais essayer d'en rebugger un. J'essaie de les faire twister à deux. Mais quand tu vois comment il jette comme un gros bâtard le truc, forcément tu te dis, mais attends, le mec il peut tellement faire des trucs de fou. Ah, c'est bon. Oh non, c'est pas bon. Allez. Tu peux le feu! Je crois qu'il n'y arrivera pas. Il est tellement heureux de vivre en plus. Oh oh oh. Jette le bébé. Est-ce que je peux le rattraper dans les airs? Non, je peux pas le rattraper dans les airs. Je peux le fouiller dans les airs. Allons, on se le fait pour une fois, Michael. Non, je peux pas le rattraper, c'est dommage, hein. C'est dommage, j'aurais bien aimé pouvoir rattraper les trucs. Ah, mais c'est énorme, le mec. Bon voilà, c'était la petite vidéo Deus Ex. Fallait que je laisse mon nom sur ce jeu. Il le fallait, tu vois. Alors t'as deux paniers, hein, t'as deux paniers. T'as un panier à 3 points et un panier à 1 point. Se fendre le crâne avant de vraiment se fendre le crâne. Ah putain. Donc voilà, bon bah j'ai rien d'autre à dire. Le jeu est pour l'instant, je sais pas ce que ça donne. J'ai vraiment pas du tout ce que ça donne. Mais au moins, on va pouvoir se le faire. Ah, attends, c'est avec A, je crois. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Comment on fait les pouvoirs? Comment on fait les pouvoirs?
C'est pas F4. C'est pas F4. On va essayer de se faire ça. On va essayer de se le faire. Il faut clairement que je tue des gens avec ça pour finir. Ça fera joli. Ça fera vraiment joli. Mais donc, mon truc ces derniers temps, ça a été ça. Mais pendant. Je dois avoir 3 heures de jeu. J'ai au moins facile une demi-heure de ça. On va essayer de se les tuer. C'est 3 hein, pour le Typhoon. Taouché. C'est exactement ce que je me disais. CF2. Attends, les deux mecs qui sont au-dessus, là, on va se les faire à l'ancienne. Que tout le monde m'écoute. J'ai pas que ça à foutre, mec. J'ai vraiment pas que ça à foutre. Il est pas mort. What the fuck? Il est pas mort, il s'est baissé. Enfin, je m'arrête là parce que voilà, c'est ce que je voulais montrer. Il y a tellement de possibilités dans le jeu. J'ai hâte d'arriver dans une ville avec plein de gens et taper des conneries. Donc, bah voilà, merci de m'avoir regardé et à très bientôt. Allez, salut!